qui envahit la côte. Des silhouettes dansées dans le vent, rassemblées sur le sable. Des milliers d'enfants qui reprennent la danse avec élan. Ils regagnent les champs et clament entre leurs dents qu'il n'y a jamais eu de grand dérangement. Non, il n'y a jamais, jamais eu, il n'y a jamais, jamais eu, il n'y a jamais... Bonsoir, mon nom est Austin Saunier. Et moi, je suis Hayden Landry. Et durant la prochaine demi-heure, nous allons vous faire revivre une activité acadienne, une activité de famille, qui, une tradition, si vous voulez, qui a disparu dans les années 50 et qui a été recréée par beaucoup de personnes intéressées en 1997. Ce groupe de personnes intéressées voulait préserver une culture acadienne qui est beaucoup chère et qui est beaucoup importante. Et cette coutume, c'est la fabrication d'une bâche de foin salé. L'activité a pris place à la Passe de Près. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre le village de Butamiro et Pointe-au-Bouleau, de Hubbard Point. On pourrait peut-être noter que c'est sur la route numéro 308 Sud. Bienvenue à la Passe de Près. Là, ici, là, Edward à gauche, qui a fait passer sa faux, il a fait déduiser, il a pris sa passe sa faux. Et à la main droite, vous voyez Herman Amiro, qui a fait passer sa faux et tout. Donc, ici, sur la Passe de Près, la route numéro 308 Sud, juste avant que tu arrives à la butte Amiro. Et voilà Alphée Leblanc, qui a fait passer sa faux lui et tout. On faisait ça justement avant de couper le foin pour faire certain que la faux était bien aiguisée. Ici, on voit Edward Warner, un Acadien qui a commencé sur les prés à l'âge de 14 ans, qu'il me disait. C'est bien clair à voir qu'il n'a pas perdu comment faire ça. Ordinairement, on coupait ça tôt le matin. Quand il y avait une bonne rosée, ça fait que l'arbre était beaucoup plus facile à couper. Et on se mettait comme ça, un par derrière l'autre, en coupant chacun comme une lisière. Ici, on voit à gauche Leslie Mews, Edward Warner dans le mi-temps là, et Franklin Mulezo à droite, ils sont en train de finir le foin pour le faire chercher. On le fenait pour, comme Austin dit, pour que ça l'épargne mieux et pour que le soleil l'attrape et c'était beaucoup plus facile à sécher. Ici, ils sont en train de râteler le foin en couline avec ces vieux râteaux de bois qu'ils font sur la main. Et si vous voyez à gauche, là, Edward Warner, lui est en train de virer son râteau pour fermer le grand rouleau pour le faire puiser à rouler ses mulerons plus tard. C'était tout un ordre de pouvoir bien râteler, point laisser de foin sur le pré, et surtout, comme on dit, de rouler le foin comme il faut, surtout si le foin est à point trop long. Dans ce cas ici, il est assez long. Et ici, là, il rate l'eau de l'autre côté pour finir le grand rouleau. Et non, à Capello, ce grand rouleau-là, une rate. Tu vois encore, là, c'est encore Leslie Mews, Frank de Moulaison et Edward Warner à la droite. C'est lui qui a fait former le grand rouleau. Et vous voyez la raison pourquoi c'est important de former le grand rouleau. Dans quelques instants, quand on vous montrera la façon de le mettre en muleron. Cette activité ici passe à, comme on dit, à la Passe de Près, sur le côté ouest de la Passe de Près. Là, Edward qui va chercher sa fourche.
tant que les prêtres qui servaient des prêtres, tous les étés, seraient moellement plus aisés ou plus faciles à rouler tes mules, rentrer, puis les glisser sur la prêt, là. Et moellement plus aisés à rouler tes mules. Ça, c'était la première fois que la prêt avait été fauchée, il y avait une quarantaine d'années. Parce que quand on fauche ça tous les ans, le prêtre est bien, bien uni, là. Et c'était presque comme marcher sur un tapis d'une maison. Edward va aller en arrière, il va le rouler de l'autre façon, là, pour finir son muleron. Quand ils font ça, c'est important de savoir que les Acadiens faisaient ça pour mettre sur le prêtre, parce que il n'y avait point trop de foin, qu'on appelait du foin doux, parce que la majorité de leur jardin, de leur champ, était pris pour toutes sortes de différents légumes, des patates, des carottes, et on n'avait point trop de place autour des granges. Donc on faisait du foin sale pour donner au bétail, aux animaux, durant les mois d'hiver. Ici, là, tu... voit Franklin là qui a fait de mettre une jambage dessous le muleron là, et la Melvin qui prend place. J'ai entendu un autre perso appeler ça des brimbages, mais la majorité du monde appelait ça des jambages. C'est ça qui a fait se servir pour porter les mulerons. La jambage, comme vous voyez, c'est un grand poteau de une perche de dizaines, douzaines de pieds. Et on voit que la personne en avant est près, tout près du muleron, tandis que la personne par derrière est beaucoup plus loin. Et la raison pour ça, vous verrez, lorsque Melvin et Franklin portent le muleron, ils vont passer à un petit ruisseau qu'on appelle un petit canal. Et c'était important pour la personne d'en avant de voir où ce qui était justement là, où ce qui était le petit canal pour pouvoir marcher dedans. Puis ces petits canals-là avaient tous été creusés à la main par nos ancêtres avec une pelle qu'ils appelaient une farée. Il y en a des milles de ces petits canals-là. Ils avaient tous été creusés à la main. Et la raison pour ces petits canals-là, c'était pour que l'eau qui vint sur la presse s'en aille plus vite. Et que le foin reste sec. Et puis, seulement et tout, pour que la prêt puisse durcir, pour qu'elle puisse travailler mieux, plus aisé et tout. Ici, tu vois Leslie Muse qui a fait mettre la jambage et Jason Sonia en arrière. Dans le passé, toute la famille prenait part de cette activité ici, la femme, les femmes et les enfants, comme tout autre. Tu vois Leslie qui marche en avant et lui, comme Hayden disait plus tôt, il a le muleron à son échine. Et puis Jason en arrière, à 3-4 pieds, qui peut voir jusqu'où il marche. Ici, vous voyez Edward et moi-même qui ont fait mettre du foin sur le fait de l'échafaud. Il y a du monde qui appelle ça un échafaud et d'autres qui appellent ça simplement un carré. Et comme vous voyez, le carré est tout fait de bois. C'est à peu près de 8 à 9 pieds carrés et à peu près 2 pieds et demi à 3 pieds du près. Et la raison pour la hauteur, c'était pour essayer de point que l'eau salée se fourre dans la barge de foin quand c'était les grands marais. Et on nous dit que les Acadiens jugeaient qu'il y avait à peu près 6 jours à faire le foin salé qui se faisait dans le mois de juillet au un petit peu de septembre. Un petit peu de septembre, surtout dans l'eau, un petit peu de septembre, oui. Et la raison, il dit qu'il y avait seulement à peu près 6 jours, c'était la mer venait sur les prés par après et ne permettait point du tout de pouvoir sécher le foin. Donc c'était important de garder, de se faire certain quand c'était les grands marais, il parlait des plus basses. Si tu vois Edward là, il a fait virer sa fourche, là, il vire le foin là.
pour que le foin fasse placer d'une telle manière que la dernière fourchette de foin tienne la première fourche. Et il faudrait noter que Fauchet a plié le mi-temps du carré ou de l'échafaud pour tenir le mi-temps en pli pour que la barge s'éplatisse là-haut, quand elle pose, si tu veux, que le mi-temps fasse plus dur, il va avoir un homme qui va marquer dessus, qui va piler la barge. Et puis il faut tenir le mi-temps dur pour qu'il se tienne en l'air, pour que la barge s'aplatisse là, pour pas qu'elle pourrisse au début du centre. Et comme on disait, la raison qui faisait des barges de foin salé, c'est qu'il ne pouvait pas aller chercher ça dans l'été, parce que le charrette avait des routes de fer et ça coupait dans le pré, donc il ne pouvait pas aller dans l'hiver quand le pré était bien gelé. Et c'est pour ça qu'on mettait ça là jusqu'au mois de décembre, janvier, février, et dans ce temps-là, on allait les chercher. Ici, tu vois Melvin Landry qui embarque sur le fait de la barge. Et c'est lui qui va piler la barge. Et puis tu le vois des fois qu'il prend le foin et il les part jusqu'il veut là, pour tenir la barge d'une certaine forme. Là, et il faut qu'il la mette pour tenir le mi-temps empli et surtout tenir les coins en l'air. Et c'était important pour les, quand ça vient plus haut, pour les personnes qui sont en bas avec les fourches qui passent le foin, pour dire à la personne sur la barge exactement où mettre le foin, parce qu'il pouvait dire combien ce qui en reste par terre et combien vite faut qu'il commence à la fermer, que vous verrez plus tard. Dans le même temps qu'on met le foin sur la barge, vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui continuent à apporter les mulerons. Ils nous disent qu'à peu près que les barges dans ce temps-là, si je me trompe, il y a à peu près une tonne de foin donc par barge, ordinairement. C'est ça qu'ils nous disent, oui. Et ça prend environ une trentaine de mulerons pour faire une barge. Et ils me disaient que dans le passé, qui était au moins particulier, tant qu'ils faisaient plusieurs barges, ils mettaient le même montant de mulerons sur chaque barge pour faire sûr qu'il y avait toute la même forme, la même grosseur. Il faudrait dire aussi que c'est pas tout le monde qui pouvait être sur le fait de la barge pour la construire. C'était tout un art et il y avait certains gens qui étaient beaucoup, beaucoup meilleurs, plus habiles à faire la barge. Et c'était ordinairement eux autres qui grimpaient sur le fait pour la finir. Il faudrait peut-être noter ici que vous voyez Edward Warner. Bien chanceux d'avoir un homme, un Acadien comme Edward Warner, à nous aider sur ça. Il y avait plusieurs de nos seniors, si tu veux, qui se souvenaient comment faire des barges. Mais Edward, lui, se souvenait en grand détail aussi, et il était capable de venir travailler sur la pierre après avec nous autres. Ici, tu vois Franklin qui tient à râter le foin autour, là. Et dans le passé, il n'y avait point de foin par-dessus. C'était tout, ils se servaient de tout le grain de foin qu'il y avait. Une des choses qu'on pourrait dire, c'est que quand ça a disparu, la pratique, c'est qu'il y avait un ouragan dans, je crois, 1954, qui avait créé des grands marais qui avaient emporté la majorité des barges de foin, au moins dans notre localité. Et M. Jacob Muse nous dit qu'eux autres et d'autres avaient été obligés de vendre presque tous leurs animaux, leur bétail, parce qu'il n'y avait point de foin pour leur donner dans l'hiver. Ici, tu vois Melvin là qui tient à parer le foin jusqu'il veut et tient à piler le centre. Et ici, vous voyez Franklin Moulaison qui vient à la main droite, là, qui racle. Il tient à racler et virer le foin d'une manière que Edward pouvait le foucher comme il faut. Et ici, à la passe de près, c'est un endroit préféré pour les gens qui faisaient du foin, parce que c'était apparemment du foin qui était très bon. Et même plus loin, lorsque vous voyez dans la photo, il y a comme des îlettes qu'on appelle en arrière. Là, le foin était presque comme du foin de jardin, du foin de champ, c'était presque du foin doux.
que là, voilà que je viens sur le bord droit là, que Jean Fouché à faire le tour. Ah, ici, il a montré Leslie Muse et Jason Sonia qui sont en train de porter un autre muleron. Et comme vous voyez, Leslie a encore le muleron à son échine et Jason a 3-4 pieds pour voir jusqu'où il marche là, pour quand il viendra traverser ces petits canals là qui ont été creusés à la main par nos ancêtres. Les prêts étaient beaucoup importants pour les Acadiens et pour d'autres. Et tout ce qu'on a besoin de voir, c'est garder les grands détails dans leurs documents, dans leurs deeds, combien est-ce que les prêts étaient divisés. Et ça démontre combien est-ce que les Acadiens prenaient ça à cœur, combien c'était important pour eux autres. Parce que, comme on l'a dit déjà, s'il n'y avait point de foin salé, c'était malheureux parce que leurs animaux aurait de la difficulté à passer l'hiver. Même s'ils nous disent que le foin salé met à point de gras ou de graisse sur les animaux, c'est apparemment c'était bon parce que M. Hatfield nous conta que M. Hatfield de Pleasant Lake nous dit que c'était bien, bien rare qu'un animal sur du foin salé devenait malade. Pour Edward là, qui a fait d'arriver le bas de la barge, là, il arrache le foin lousse là, pour qu'il puisse l'utiliser pour mettre sur le feu. Et voici la femme Edward Nora qui a fait de râteler, comme je disais plus tôt, là, c'est une activité que toute la famille prenait part, les femmes comme les enfants, à aider à faire des barges à ces temps-là. Il faudrait peut-être aussi noter, comme je vous ai dit plus tôt, là, les échafauds. Là, il dure la prêt, on dirait qu'il préserve ce bois-là. Jacob Muse, des garçons, me disaient que lui avait peut-être fait 2 échafauds dans sa vie, qu'il avait servi des échafauds que son père ou son grand-père avait fait. Et quand on a fait cet échafaud ici, sur la passe de prêt au Butamiro, il y a encore plusieurs poteaux qui sont pris dans la prêt, qui sont encore bien capables de supporter une barge de foin. Tous les poteaux du phare, si vous voulez, sont partis parce que les grands marais les ont emportés. Mais ceux qui sont enfoncés dans la prêt, là, sont encore bons. Il y avait cette affaire avec le salange qui préservait le bois, qui nous disions. Comme Austin dit, c'est important dans ce temps-là de ne point quitter de foin sur le pré. Et je me rappelle que mon grand-père, lui, après que tout, la barge était finie, le lendemain, s'il y avait du foin du tout de reste, il prenait sa brouette et il allait mettre ça sur sa brouette pour l'emmener à la grange pour faire certain qu'il n'y avait point de foin qui était gaspillé. Là, tu vois Leslie Muse qui a fait de mettre les gens à barge. Et puis, comme Hayden disait, à ces temps-là, tant qu'ils faisaient des barges, on avait dépassé 1000 barges sur ces prêts-là. Et Adolf Hubbard me disait que dans le temps qu'ils faisaient des barges, dans le temps que tout le monde se servait du foin salé, il n'y avait pas un grain de foin salé de reste sur le prêt après qu'ils avaient fini de faire leur barge. Il me disait que lui avait été jusqu'à Pleasant Lake se chercher des salines dans le bord des criques pour mettre sur ses fraises pour l'hiver, là, qu'il ne pourra pas se trouver de foin salé. Le reste, il était tout utilisé. On disait aussi tantôt que quand ce qui venait avec les bœufs, par exemple, dans l'hiver, chercher le foin salé, il y en avait même qui servaient des dorés, des petites bottes. Des pirogues pour aller chercher le foin salé. On mettait une à côté de l'autre, les amarrait, mettaient des bois et mettait la barge là-dessus pour la flotter jusqu'au quai. Et ensuite, il mettait ça dans une charrette et emmenait ça à la maison. Je crois que, si je me trompe pas, il appelle cette pratique la gaboter. Gaboter du foin, c'est juste ça que c'était. Là, vous voyez Melvin qui est en train de finir, si vous voulez, la barge, l'arrondir là. Et on se demande des fois pourquoi que la pluie faisait aucun dommage
à la barge. Si la barge était bien construite, c'était comme des plumes de canard, l'eau coulait au-dessus de la barge. Oui, comme on disait plus tôt, là, c'est... tant qu'on tient le centre ou le mitan en pli et en pilet, quand la barge s'aplatit, là, le mitan est plus dur, ça fait le mitan va tenir plus haut et l'entourage va caler, si tu veux. Et puis le foin va virer, comment ça peut être, du fer en bas, là, le foin va virer, la longueur du foin va pointer en bas. Et comme tu disais, comme des plumes de canard. Oui. Là, ils ont presque terminé. Et pour passer le foin plus haut, on avait une fourche avec un manche beaucoup plus grand. Leslie était en train de, ça qu'on disait, peigner la barge, là, pour faire certain que tous les petits bouts de foin étaient sauvés, sortis et mis sur le sommet, sur le fait de la barge. Ah, Melvin a eu une grosse soif, là. Il mettait de l'eau dans ses cruches, là, dans le passé, puis... dans le temps qu'il travaillait le foin, il mettait la cruche dans le creek, dans l'eau, pour la tenir fraîche. Et puis, ici, là, c'était une manière de comique. Tant qu'il boivait comme ça, là, Alphée Leblanc, là, il faisait le commentaire que c'était la vieille façon à boire dans d'une cruche. Et parfois, une fois la barge terminée, on mettait la cruche ou le lunch dessous la barge. À l'ombre du soleil, parce que souvent aussi les familles, si les familles ne pouvaient point tout aider, c'est que la mère de famille faisait un gros lunch, on voyait ça d'un panier et pour que les plus jeunes emmènent ça aux plus âgés qui étaient en train de travailler. Parce que comme vous disiez, ça c'était des pratiques qui commençaient très tôt le matin. Et à cause qu'on était limité dans le temps qu'on avait à les faire, c'était important d'en faire autant comme qu'on pouvait. Et donc, c'était, quand on se donnait du temps sur l'après, c'était toute une journée. Oui, la journée était complète de clarté à clarté. De clarté à clarté. Là, vous voyez que Edward a une fourche avec un grand manche. Ça fait qu'il peut pacter comme il faut le foin vers le fer, le sommet de la barge. Tu vois-tu, c'est quand ça va, quand le fer va petit comme ça, ça y prend une fourche à deux fourchons pour faire des petits voyages pour que Melvin puisse l'attraper plus aisé, plus facilement. Et comme vous voyez, la barge a pris sa forme là pas mal. Vous voyez que c'est presque comme un chapeau là. Ça s'en vient de 8 à 9 pieds de largeur ou de carré en bas au sommet, au fer qui est peut-être justement assez pour supporter les deux pieds de la personne qui est en haut. Et maintenant, il y avait, à cause du beaucoup de vent qu'il y avait sur ces prés-là, il faudrait trouver une manière de garder le foin ensemble, le garder intact, fait qu'il n'a pas passé partout. Et c'est ça que ces deux personnes-là vont faire. Ils sont en train de passer les couples à Melvin pour qu'ils les mettent par-dessus la barge. Il y en a deux paires de couples. Et comme Hayde disait, c'est justement pour arrêter la première jupe d'arbre de s'enlever. Si tu peux arrêter la première jupe, le restant de la barge ne va pas grouiller. Et on, comme on dit, on avait quatre couples là. On va voir qu'ils vont en mettre un comme qui, mettons, est et ouest. Et ensuite, ils vont en mettre une paire nord et sud. Et juste le poids, la pesanteur de ces couples-là est suffisant pour garder le foin intact, là, pour le point que le foin s'épare partout sur le pré. Et quand les gens allaient chercher ça dans l'hiver,
que le barge est encore là. Vous avez peut-être noté que Franklin disait qu'il se souvient quand il marchait sur après, c'était manier qu'on marchait, il croyait que c'était qu'on marchait comme dans les pyramides, si tu veux. Il avait, comme je disais plus tôt, on avait dépassé 1000 barges sur ce près-là. Tu vois, Leslie Mews, qui a Fred a envoyé l'autre couple, l'autre paire de couples à Melvin. Et une fois la barge terminée, il faudra trouver un moyen de descendre, de débarquer dessus la barge sans que la barge tombe sur la prairie. Et dans quelques instants après qu'ils ont fait le tour pour voir que les couplets sont bien placés, on va vous démontrer comment est-ce qu'on descendra de cette barge-là, comme qu'on a mentionné, sans faire trop de dommages à la barge. Et naturellement, sans se casser le cou. Ici, là, tu vois Leslie avec une jambe barge. Il va faire le tour, là, bientôt, il va utiliser la jambe barge, là, pour que l'homme descende. Comme tu vois, là, tu mets une jambe barge contre la barge, là. Tu vois Edward, là, qui met la jambe barge. Là, Melvin va se glisser les mains aussi loin comme qu'il peut sur la jambe barge, la tête en bas. Et quand ce qu'il fera aussi loin comme qu'il peut avec ses mains, là, il va se tirer les pieds, manier comme un pole vaulter, si tu veux, à terre. Et ça, c'est pourquoi qu'il défaisse sa barge en descendant de la barge, en baleine. Une fois cette pratique-là accomplie, on voit ici les gens qui étaient responsables pour la fabrication de la barge. Et certainement qu'on doit remercier, comme on l'a dit, tous les gens qui ont aidé d'une manière ou d'une autre, on a tellement qu'on ne peut pas les nommer.